pata vizuri namna mambo yamepitikana hapa kunako uwanja mashahidi. Watu wamefanya furaha na shangwe kwa kuweza kupika bikelekele mingi kabisa kuona kweli Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi. Astrid Okongo utaweza kutufasiria na wewe vile vile. Umeona bwana President Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi Cité de Loya, amepatikana kunako njia akapita Kitambo na kufika kupita Limwala ama Bandar na kuingia mtaa wa Kinshasa kunako uwanja wa Chai. Naam, nafikiria kwamba wakongomani wote wako wanatizama kwenye televisheni ya taifa namna gani rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye aliweza kuteuliwa na 73.5% ataweza kuwapa kiapo chake leo. Ni mara ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sherehe ya namna hii iweze kuongozwa. Anatoka huko upande wa site ya Umoja wa Afrika ya Oya, mahali ambako anabaki na iko anakuja njia kwa njia kuona kwamba wageni wake wamekwisha kuingia wengi na yeye sasa anaanza kuja njiani. Wandugu wapenzi, ni jambo kubwa kabisa yenye kupitikana leo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona kwamba raia wote wa Kongo wako wanafuata kabisa hiyo yenye iko napitikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rachel Geta Kabongo, tunaona rais anatoka kunako site ya Oya iko nakuja kwa kuweza bana ba mwana Kongo chibiru chine na chitambe walubwa se Félix Antoine tika chinombo kumbukilo musite wa Oya kwenda kumbelu kujuba mwanga tila wendu uloka kesa kwa kubwela munu mchipalu cha martir disanka jituru jupu wabibana ba mwana Kongo bonso mene basangi jibuwa munu mchipalu cha kintasa Chanique, mon commun qui est à moi, vous dites Félix Antoine, c'est un homme sans un diplôme à Tata, quand tout le monde parle de mon âge, vous pouvez le savoir quand chat, la caisse de la caisse, bonne fois, vous êtes à la Wanda, Zatiakou, et Zaponako Matissa, Mokondi Labisso. Nous allons donc poursuivre notre programme avec l'accueil dans quelques minutes du président de la République. Mushani maital mungaliema kasui popola kelenda mpanga wa manangananga ulowa urimuikala wenda ulwa urimuikala munkachi mwajilwa urimunjila munena wa shani metal urimuikala mulo mutangira bakufika mu stade de martyr musaka urimuimana bantu pamoyi mulowa mufanga mpanga wa manangananga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Jishiba jalunteka didikala Nuriba ditangijila mshinduri ditunga Jimana Nurimono mwana mshinduri chinsansa Chikuwa takujiba Wakuni sharikila buwase Jishiba jalunteka Jishiba jalunteka Jijimono mshindu wa Nyusha batoka mitu Chepela Chepela ntende chepela mafuma Tanda kalombi buwatu Udini buwenda mchaji Jitunga ya Kongo Demokratika Njikuwa chila kubianza ditu kujalelu Walu buwase Nzevu Gajachi bukondu Mufuana wa mwana mshindu wa kuye nabu Jinu shaji kila buwase Musesu wa 30 juin Urimuikala mkwa chila kubianza Kuji mtombolo kala jipa dimbeli Muchi Bianu Kapitu bianji kwenze kato Kapitu bianji kwenze kato Kachaba mwana mshindu Wa kwenza buwase Prestasyon de serman wa mshindu ewu Kena mwanshi kwenye mwakweza kato Wetu Matye Mudibango Ujumwene na muji Mwamayu wakanyinda Umana kubwela mshindu Yaliboso kote kabundi Repi demokrati di Kongo Oezali mayele Utile pimelo yalikolo Eliko mete mokonja mboka Ye wana zako ya kasi momoni ye wapi Kobanda na lobala yanda kuna ye Boko na nae njila njila zaliko ya Boulevard, Mambota, Mama Bimi, Baike, Bako Zela, Bako Yamba, Bako Sepela, Kwe Mamo Konja Boka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Radio Télévision Nationale Congolaise, Ezana Bino Bandana Ndakwa en direct, Ti Awa, Nalikolo, Paka Paka, Nase, Kamera, Ndege, Ndege, Kope Sabirini, Yari Boso, Pona RDC, Tala Lobala Kinshasa, Tala Lobala Kinshasa, Boulevard, Nadili Toto, Kamata.
Bika yake kaka na RTNC kasi na bashieni ya kaka vena kumuona mfumo hisi kukatuka katuka pale du peuple CCBI yandikele na boulevard yandike na ekele mbala ya tete na kumuona mfumo hisi na inzonandi na maplace na dizulu kuna na ntoto ina intendantila magazin zila enme baka nzila ya magazin baki na kuiza na boulevard malembe malembe na lembe boulevard boulevard sam yakina te kisika bage kuisila awa yakile diambu ya kuituka echelega mepesa ndinga na mpangi na mono Giscard Koussema. Et avant de remettre le micro à Giscard Koussema, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, pour ceux qui connaissent Kinshasa, aux alentours de Loupio et Révérend Kim. Là, les cortèges présidentiels, les cortèges du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de se diriger petit à petit vers le stade mythique, le stade de martyrs de la Pentecôte, où de nombreuses personnes, des milliers de gens, merci Gerdia Kiadi qui nous fait revivre l'ambiance et du stade, et également sur le principal chaussée, les principales artères de la ville province Kinshasa, les cortèges du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à sa tête des motards. Là, c'est la vie aérienne. La RTNC a mis les bouchées doubles pour vous retransmettre en temps réel et en direct cet événement justement historique pour la République démocratique du Congo. Nous avons dit la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve dans cette limousine escortée par des motards. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin et bientôt le cortège va prendre l'avenue de la Révolution qu'on appelle l'avenue 24 novembre. Là, c'est justement en face de son quartier général, le quartier général de la campagne de Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo sur le boulevard du 30 juin, vers les Sauts des Moutons, pour ceux-là qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Et les cortèges avancent inexorablement vers le stade de martyrs de la Pentecôte, où plusieurs autres de marques sont déjà sur place. Gerdia Kiadi qui va nous balancer justement et les images du stade et en même temps là, cette vue panoramique aérienne de la ville de Kinshasa. Nous dirigeons vers les Sauts de Moutons. Voilà, le président de la République est en train de monter justement sur ces Sauts de Moutons qui a été érigé pour faciliter le transport, la circulation des personnes et de leurs biens. Ici à Kinshasa, c'est vraiment un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs sauts de mouton qui a été construit. Et ici à Kinshasa, au nombre desquels se trouvent d'autres sauts de mouton. Les cortèges du chef d'État, ici ce sont des images réelles, des images prises en temps réel par la technicité des équipes déployées par la haute direction de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dirige Madame Sylvie Elenge Nyembo. Il y a le PCA, Floribert Louboto, le ministre de Médias, Mouyaya, ainsi que toute l'équipe technique avec toute cette dextérité qui nous offre ces meilleures images, des images des drones, des images hélico et des images aussi qui sont tournées juste devant le cortège présidentiel du chef de l'État Giscard Koussema. On peut dire sur le plan médiatique, c'est un pari gagné. Notre reconnaissance à l'endroit du général-major Ephrem Kabi, c'est lui qui nous a autorisé de monter dans cet hélicoptère avec Eric Katokolo qui nous donne ces belles images d'une vue aérienne du trajet. Et donc nous sommes en direct, c'est des images réelles. Merci donc à la sécurité présidentielle qui nous a permis d'entrer dans ce dispositif. En ce moment, les cortèges présidentiels sont en train de traverser le centre d'affaires de Kinshasa. Les cortèges viennent d'entrer donc au niveau du boulevard du 30 juin. Et donc nous allons accompagner le président de la République jusqu'ici au stade de martyrs où nous nous trouvons. Mais pendant que les cortèges présidentiels traversent la ville capitale, laissez-moi vous dire que d'autres chefs d'État ont fait leur entrée, comme le président Denis Sassou Nguesso, le président Faustin Archange, le président João Lourenço, le président Azali Assoumani, bref, tels qu'ils avaient été. Alors tous sont ici. Vous voyez le président de la République qui est aujourd'hui dans un cortège exceptionnel. Regardez dans cette
vous allez désormais reconnaître, là c'est la place royale en plein cœur de Gombe. C'est bel et bien la place royale, hein. On peut voir le boulevard du 30 juin, des images que nous prenons Eric Katokolo depuis l'hélicoptère de FRDC. La ville de Kinshasa est sous contrôle. La ville de Kinshasa est sous contrôle. Les images réelles sont là. Entre-temps, le fleuve Congo est sous bonne surveillance. Hein. Le fleuve est bien surveillé. Le fleuve Congo est sous bonne surveillance. La ville l'est aussi. Et donc, il y a de la quiétude où vous soyez. Voilà l'image de Kinshasa. Le président de la République, dans cette belle limousine qui a renouvelé en tout cas son cortège, va faire son entrée ici au stade de Martyrs où l'attendent 18 chefs d'État, 45 hauts représentants de délégués de haut niveau qui sont ici. Nous saluons toutes les personnes qui ont pris des initiatives pour permettre à la population de suivre ce qui se passe ici, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Mention spéciale à José Mungenzi depuis Kingouji, qui a également mis à la disposition de la population un écran géant pour permettre à tout le monde de suivre ce qui se passe ici, au stade des Martyrs à Kinshasa. Voilà, c'est le quartier, voilà. Les quartiers d'affaires de Kinshasa. Là, c'est la place royale. On voit l'immeuble royal. Donc, on est à quelques 3-4 kilomètres d'ici. Le président de la République qui viendra faire son entrée et donner l'ego de cette cérémonie unique que d'aucuns auraient voulu priver. Et regardez, on allait priver la population d'une telle fête simplement parce que certains ne sont pas encore sortis du traumatisme post-électoral. Ils auraient voulu une cérémonie, une petite cérémonie dans un vestiaire, alors que le président, lui, a voulu associer la population, associer l'Afrique, associer le monde et apprécier tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et donc, c'est pas très loin du carrefour Mandela. Kinshasa a immortalisé cet homme. Donc, Kinshasa a immortalisé cet homme, c'est non loin de la place Mandela. Comme je le disais, pendant que les chefs d'État avancent, il y a d'autres chefs d'État qui sont en train de prendre place. Et voilà, donc tous sont ici pour la grande fête Blaise Bokokia. Giscard, avant de donner la parole à Blaise, un petit détail. Moi, c'est ce qui m'a fait réfléchir à haute voix, c'est justement cette participation massive des chefs d'État africains. Nous avons vu certaines cérémonies d'investiture ailleurs. C'est un ou deux chefs d'État et ça suffit. Mais pour le cas d'espèce, pour le cas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment cette cérémonie d'investiture et de passion de serment draine beaucoup de chefs d'État. Et voilà, là nous sommes sur l'avenue de la Révolution, sur l'avenue 24. C'est un exemple de démocratie en Afrique. C'est des images rares. Hein. Regardez l'Afrique, regardez ce qui s'est passé rien qu'au cours de l'année 2023. Rarement on a vu ce genre d'images que veut montrer au monde. C'est ce genre d'images que l'Afrique veut montrer au monde. Et c'est ce genre d'images que la République démocratique du Congo va désormais montrer au monde. Là, nous sommes en plein hélicoptère. Hein. Voilà. Nos équipes sont dedans et nous proposent ces belles images pour suivre le cortège présidentiel. Et donc, le président Sassou Nguesso de la République et du Congo. Denis Sassou Nguesso. Le fleuve est tranquille. Hein. Le fleuve est tranquille. Le président est ici. La ville est tranquille. Les deux rives sont tranquilles. Le fleuve est tranquille. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville représenté au sommet. Voilà le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Blaise Bokokia, qui est-ce qui